Bonjour, bonjour et bienvenue donc dans ce premier vlog lecture consacré donc sur un week-end. Comme je vous l'avais vu dans le titre, c'est sur des lectures graphiques. Hier, vous avez vu, j'ai lu déjà deux albums et j'avais déjà commencé cette bande dessinée documentaire que je lis en plusieurs parties. J'espère la terminer d'ici demain en fin de journée, moment où je clôturerai ce vlog. J'avais envie d'en lire une dizaine, enfin 10, oui. J'en ai déjà lu deux et donc je vous montre les autres titres. Donc il y a encore ce petit album jeunesse, donc mes Doc France, donc l'Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a ce splendide album jeunesse, donc le grand livre des super pouvoirs. Il y a donc le jardin des filles, donc le premier tome. C'est une bande dessinée donc sur l'univers de Stranger Things et Donjons et Dragons. Donc, plutôt un roman graphique, on va dire, ou un album, oui. Donc Peace Mémé. Ça, c'est une des bandes dessinées qui est depuis très longtemps dans ma pile à lire. Donc, c'est les Carnets de cerises et Valentin. Et alors, le dernier, qui est un album documentaire sur Il était une fois la différence. Donc, c'est sur le handicap. Voilà pour toutes les bandes dessinées. Je vous prends plus tard, peut-être pour vous faire déjà des premiers avis, ou alors en tout cas ce sera demain avant de clôturer ce vlog. Voilà. Coucou, il est grand temps clôturer donc ce vlog lecture. Là, comme vous pouvez le constater, on est forcément plus déjà le week-end. Je voulais vous proposer cette version du vlog avec un petit point lecture à la fin de la vidéo. J'ai lu au total cette lecture graphique, bande dessinée et album jeunesse. Je vous en parle tout de suite. Comme vous l'avez vu en début de vidéo, les premières lectures, donc j'ai lu Mémoire d'un cétacé, mais c'est pas ça, je vais parler des albums jeunesse. Donc j'ai lu Un petit besoin urgent de Quentin Gréban. Et également j'ai enchaîné, donc ça c'était vendredi après-midi, donc Quand je serai grand, toujours de Quentin Gréban. Voilà, donc c'est deux très chouettes albums jeunesse. Donc l'un où forcément ça parle d'un petit besoin urgent. Et ici ça parle de petits chiens, donc à l'école, qui parlent de leur futur métier. J'ai vraiment beaucoup apprécié, les illustrations sont magnifiques. Ces deux albums que je vous conseille fortement. Ensuite, j'ai encore continué avec des albums. Donc là, c'était plutôt Médoc France, donc l'Auvergne-Rhône-Alpes. C'est une collection que j'avais déjà découvert. Et il y a quelques années, j'avais lu justement celui sur la Provence, je pense. Malheureusement, entre-temps, je l'ai perdu lors d'un déménagement. C'était le seul que j'avais toujours en ma possession. J'aime vraiment beaucoup ce type de. Je le trouve très intéressant. C'est très instructif pour les enfants et même pour les adultes. J'aime vraiment ce mélange de véritables photos et d'illustrations.
Donc voilà, j'ai appris pas mal de choses et il y a évidemment d'autres régions de France à découvrir. Alors ensuite, j'ai lu une bande dessinée qui était depuis très longtemps dans ma pile à lire, c'est donc Les Carnets de Cerise et Valentin, donc de Joris Chamblin et Aurélie Néret. Ça faisait un moment qu'il était dans ma palle, mais je ne sais pas pourquoi je ne l'avais jamais sorti. Mais voilà, je suis toujours fan des illustrations, de l'histoire. Et c'était un véritable plaisir de trouver donc la toute dernière aventure de Cerise. Et si vous ne connaissez pas les carnets de Cerise, je vous le conseille fortement également. Ensuite, j'ai fini, c'est dimanche, je pense, après-midi, Mémoire d'un cétacé, donc de Anne de Fréville. C'était très intéressant. Au début, j'étais un peu sceptique puisque c'était un côté. Il y avait un côté un peu histoire, enfin, c'était raconté par un cétacé, donc leur histoire. Et donc au début je me dis ah ça va être un peu bizarre, mais finalement j'ai bien aimé, c'était très instructif et il y avait beaucoup de sujets qui étaient abordés. Donc c'est une bande dessinée documentaire que je vous conseille fortement. Ensuite donc l'avant-dernière lecture, c'est Le Jardin des Fées, donc le premier tome Bergère de Fées, donc c'est de Audrey Alouette. Mais j'ai un truc donc au dessin, c'est Nora Moretti et les couleurs, c'est Citrus Trem. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était une bande dessinée qui me tentait depuis longtemps. Et on y suit une jeune fille, Lucie, je pense que c'est ça, oui. J'ai déjà oublié le nom, c'est magnifique. Des fois, moi, les noms. Oui, c'est ça. C'était bien Lucie. Donc, ça veut dire, j'ai bien retenu. Donc, Lucie est envoyée chez un membre de sa famille. Et voilà, elle va découvrir des petites choses très intéressantes donc, dans le domaine où elle se trouve. Bon, voilà, vous doutez bien que c'est déchet, mais voilà, j'ai pas envie de vous spoiler ou quoi que ce soit, parce que moi j'avais vraiment ouvert la bande dessinée comme ça et j'ai plongé dedans. Et voilà, c'était vraiment très très chouette, et évidemment, je lirai la suite parce que moi tout ce qui est fait, j'adore. Et la dernière bande dessinée que j'ai lue, c'est donc Peace Mémé, donc de Katie Beau, donc chez Dargo. Ça faisait un moment, enfin j'avais acheté, je crois que c'était il y a un an, donc au mois de mai ou au mois de juin 2023, mais je n'avais jamais osé le sortir jusqu'à présent, cet album, et cet album graphique, et enfin ce roman graphique plutôt. Et je l'ai vraiment beaucoup apprécié, j'ai bien aimé. Moi j'avais pas vraiment lu, c'est l'histoire donc de quatre amis. Donc qui vont se lancer dans un projet assez fou, et j'ai vraiment bien aimé. Et c'était, j'avais vu en librairie, c'était le titre qui m'avait attiré, et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vais vous montrer une illustration, je crois que je n'avais pas fait de petite voilà, je vais vous montrer celle-ci, voilà. Et donc une très très bonne lecture. Donc pour ce premier vlog lecture, j'espère qu'il vous aura quand même plu. J'espère que cette petite façon de faire, même si c'est vrai que je ne l'ai pas clôturée le dimanche soir, et là on est déjà mardi, voilà, on est le 11 juin. Mais voilà, j'espère que ce premier vlog vous aura plu, et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo.